Ah, au fait, merci d'avoir écrit si souvent. Je ne regrette pas de t'avoir acheté ce papier à lettres personnalisé qu'il te fallait à tout prix. Bah, on comptait écrire, papa, mais on a eu tellement... Oh, moi et ma copine, c'est une fille que j'ai connue là-bas. On est très proches toutes les deux. Super. Presque comme des sœurs. C'est une fille délicieuse. Une fille délicieuse? Depuis quand tu emploies ce genre de mots? Tu tronches toujours les ongles, est-ce que je vois? T'as remarqué? Comment ça, j'ai remarqué? Tu te les ronges depuis que tu as des dents. Mais j'ai décidé d'arrêter, papa. Je trouve ça détestable. Délicieuse, détestable? Tu étais en vacances ou dans un cours pour jeune fille modèle? Et pourquoi tu finis toutes tes phrases en disant papa? Je suis désolée, je me rends pas compte, papa. Désolée, papa. Tu veux savoir pourquoi j'arrête pas de dire papa? La vraie raison? Parce que ton père t'a beaucoup manqué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que pendant toute ma vie, enfin, ma vie dans cette colonie de vacances, j'ai jamais eu l'occasion de dire le mot papa. Jamais, pas une fois. Et si tu veux mon avis, un père c'est quelqu'un d'irremplaçable dans la vie d'une fille. Y'a qu'à voir, on consacre toute une journée à fêter les pères. Tu imagines la vie d'un enfant sans père? Jamais acheter de cadeaux de fête des pères, jamais s'asseoir sur les genoux de son père, jamais pouvoir dire salut papa, ça boum papa, ou tu me le paieras papa. D'ailleurs les bébés, leur premier mot c'est toujours papa, c'est vrai. Attends voir une seconde, ça t'a manqué de pas pouvoir me dire papa? Ouais. Ouais, vachement, papa.